Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbudawak. Aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler? On va parler de commentaires, de monétisation et de Facebook. Allez, c'est parti. Oui, on va parler un peu de la chaîne, puisque sur ces dernières semaines, il y a plusieurs éléments importants. Il y a de ça pas longtemps, on a dépassé les 10 000 abonnés, super. Et normalement, d'ici à peut-être demain, je pense, on risque de passer le 1 million de vues. 1 million de vues, je sais pas quoi dire. 1 million de vues pour toutes mes conneries. Ben merci, voilà. La première chose que j'aimerais parler, c'est des commentaires. Déjà, j'aimerais remercier tous les barbus qui laissent des commentaires sur les vidéos. En moyenne, il y a, je sais pas, je pense 75 commentaires par vidéo. Ça peut aller jusqu'à beaucoup plus. Et je manque de temps pour y répondre correctement. Je lis tous les commentaires et j'essaye d'y répondre, mais dans beaucoup des cas, j'ai un peu du mal à trouver les mots intéressants pour répondre aux commentaires. Donc, première chose, merci beaucoup à tous les barbus qui laissent de commentaires. C'est super sympa et il y a plein de commentaires qui sont super, super intéressants. En particulier sur une des dernières vidéos sur la différence entre les vis cruciformes et les vis torx. Il y a plein de gens qui ont une vraie expérience professionnelle et qui partagent ça avec tous les barbus. Et ça, c'est vachement intéressant et c'est le but principal des commentaires. C'est pas de dire « Oh, j'aime beaucoup ce que vous faites !» Ça, c'est sympa, c'est très bon pour mon ego et je vous remercie, merci beaucoup. Mais c'est pas ça qui m'intéresse dans les commentaires fondamentalement. Ce qui m'intéresse dans les commentaires, c'est justement avoir un avis, avoir balancé des liens, faire des trucs. Et vous êtes géniaux parce que vous le faites et c'est vachement bien, ça enrichit vraiment ce que j'essaye de faire. Donc, merci à vous. Vu que justement, j'ai passé ces deux espèces de threshold, je sais pas comment on dit ça en français, c'est-à-dire les 10 000 abonnés et bientôt le 1 million de vues, je me suis dit que j'allais expérimenter un petit peu pour pouvoir, dans quelques semaines, vous faire une autre vidéo, peut-être un peu plus intéressante et un peu plus détaillée, sur justement le business lié autour de YouTube, sur le pognon, sur les vues, sur les abonnés, sur les statistiques, etc., etc., qui, je pense, pourrait être intéressant pour certains. Dans cette optique-là, j'ai réactivé la monétisation. C'est-à-dire que, pour ceux qui n'ont pas des adblockers, donc pas pour moi, puisque moi j'ai un adblocker, de temps en temps, ils vous montrent des pubs et ça rapporte un peu de pognon. Le but est de faire ça pendant un mois et de voir combien de pognon est-ce que ça génère vraiment. On le verra, hein. Le but c'est pas de devenir riche, parce que c'est pas avec ça que vous allez être riche, mais je pense que c'est intéressant d'avoir des vrais chiffres. Souvent, on a des gens qui parlent un peu dans le vide en disant « Oh, mais vous inquiétez pas, je peux pas, nanana. » Mais justement, c'est quoi les vrais chiffres? Qu'est-ce qui fait, combien ça rapporte, par rapport à combien de vues, etc., etc. Je pense que c'est des données qui sont intéressantes. Un autre élément que je tente depuis bientôt, je pense une dizaine de jours, en tout cas 4 ou 5, sur les 4 ou 5 dernières vidéos, je fais de la double publication. C'est-à-dire, je le publie sur YouTube, donc ici, et je le publie aussi sur Facebook, ici aussi pour ceux qui regardent sur Facebook, pour faire une petite expérience. En ce moment, Facebook met beaucoup de pognon et investit beaucoup dans la vidéo. On connaît tous les Facebook Live, etc., etc., mais apparemment, ils sont en train de mettre le bout sur la vidéo. Mon but, il est pareil, faire ça pendant 30 jours et voir quelle est la population ou la différence de population qui est sur YouTube et sur Facebook. Je suis pas sûr que je ferai ça tout le temps en permanence, parce que faire la double publication, c'est un petit peu chiant, mais je sais pas. On verra ce que ça donne. Que dire d'autre? J'ai très très hâte d'être ce week-end pour continuer mon couteau, lui faire un manche, le tremper, le normaliser, finir de le poncer, etc. Et vous aurez la suite, je pense, ce week-end. En ce moment, j'ai un rythme un peu plus soutenu que d'habitude, pour une raison relativement simple. Il y a eu pas mal de vacances scolaires ou ponts ou trucs comme ça. Et j'ai pu être un peu plus productif puisque ma fille n'est pas là. Elle est en vacances chez mes parents, à la campagne. Et donc ça me laisse un peu plus de liberté pour justement faire plus d'épisodes et vous proposer plus de contenu. Un deuxième élément aussi, mais qui est important, c'est que justement dans mon workflow de montage, j'ai réussi à optimiser certains éléments. Je vais un peu plus vite pour faire le rough cut, je fais un peu plus vite pour le montage. Grâce aussi aux sessions que j'ai pu aller faire au YouTube Space à Paris, j'ai pu apprendre des choses à droite à gauche, et en particulier la dernière sur le son, qui n'est pas parfait, je suis d'accord, mais qui est un peu moins pourri qu'il y a encore quelques mois. Et encore, j'essaye de l'améliorer. Peut-être que dans un futur proche, je risque
de me faire plaisir et d'engager un ingé son pendant une demi-journée ou une journée pour qu'on vienne tweaker un petit peu des petits trucs à droite à gauche. Et en particulier, le niveau de la musique par rapport à la voix. Je sais que beaucoup se plaignent, ils ont pas à se plaindre d'abord, sinon je viens les voir et je leur mets des baffes. Je sais que beaucoup se plaignent, moi je réécoute plusieurs fois mon montage avant de l'exporter. Moi ça me choque pas, mais comme je l'ai dit dans certains commentaires, je suis à moitié sourd, j'ai 4 dixièmes sur l'oreille gauche et 5 dixièmes sur la droite, à force de jouer de la musique et d'aller dans des concerts de métal, sans mettre de bouchon, c'est pas bien. Donc je suis peut-être pas le super bon exemple. Donc c'est un peu le but, trouver un professionnel que je vais payer pendant une demi-journée ou une journée et qui pourra venir me filer un coup de main ou des conseils sur exactement qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour éviter de faire ça. Et sans vraiment s'en apercevoir, on se rapproche aussi de l'épisode 200. Qui devra arriver dans, je pense, 2 mois, un truc comme ça. Et je ne dis rien, mais... Dernier élément, puisqu'on en est à l'update, je suis en train de réfléchir à changer d'ordinateur dans pas longtemps. Le mien, qui est un NUC, que vous ne voyez pas, qui est ici, un NUC i7 que les amanches de Intel m'avaient filé il y a quelques années, qui est vraiment un ordi génial puisqu'il me permet de faire ça, voilà. Il commence un peu à prendre un coup de vieux et il peine sur pas mal de choses. J'ai une vieille tour qui traîne et je pense que je vais essayer de me monter un ordi qui tienne un peu la route et surtout avec une carte graphique qui soit un peu plus moderne. Après, il y a toujours le problème de budget, mais... c'est mon but dans les 3 mois qui viennent, arriver à me faire une petite station de montage vidéo, pas complètement un truc de ouf, mais un truc qui tienne un peu plus la route. Voilà un peu pour cet épisode update de Barbunawak. On a parlé quoi? On a parlé commentaires, merci beaucoup à tous. On a parlé monétisation, pognon, et on a parlé Facebook. Comme d'habitude, bien sûr, vous connaissez la musique, des questions, des insultes, tu sais comment ça se passe. Email, Twitter, Facebook, Instagram, tu laisses des commentaires bien sûr, et tu t'abonnes pour voir par exemple la suite de Scotto qui arrivera ce week-end peut-être. Voilà un petit épisode update. Alors, il y en a d'autres qui arriveront. J'ai mon dossier sur la crypto-monnaie qui arrive. Je vais parler de Netflix contre Amazon Vidéo, contre OCS, ça aussi ça arrive. Et je vais parler aussi de projets un peu plus massifs. Et pour tout ça, il faudra revenir, hein. En attendant justement ces superbes épisodes, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous.